Soldats, un envahisseur a pénétré dans le fort. Préparez-vous à déjouer son embuscade. Fort Mollen ne tombera jamais. Vive l'Empire! Huh!
pressentiment que des ennuis nous attendent. Ah ah, vous voilà. Go!
attention à ce que vous faites. Par le sang de Boetia. Je travaille pour Maugrul. Si vous avez un problème, adressez-vous directement à lui. C'est toujours. Quelle nouvelle apportez-vous de Formolaine ? Que vous dans les parages. Je me doutais qu'il était devenu mort-vivant. Sinon, comment aurait-il pu survivre pendant plus de 200 ans ? C'est triste. Les exploits du général Carius sont comptés dans de nombreuses histoires. C'est même lui qui a fondé Corberoc. Le conseiller Morvayne m'a demandé de vous donner ceci si vous reveniez en un seul morceau, et si vous nous débarrassiez du général Carius. C'est beaucoup plus que la paye d'un soldat. Pensez à le remercier. Ah, c'est une armure d'ostalium. Impressionnante, hein? Elle est faite de poudre d'os mélangée à une sorte de résine, puis façonnée de manière à former les différentes pièces d'armure. Elle semble fragile au premier coup d'œil, mais je parie qu'elle résiste mieux aux coups que le fer ou l'acier. Merci pour votre aide. Le moral de mes soldats est en hausse. Misérable. Vraiment misérable. Je déteste cet endroit. Gus Cerelius, par hasard? Ce vieux fou m'a encore pris ma pioche. Vous n'auriez pas vu Crécius Cerelius par hasard? Ce vieux fou m'a encore pris ma pioche. Vous n'auriez pas vu Crécius Cerelius par hasard? Ce vieux fou m'a encore pris ma pioche. Vous n'auriez pas vu Crécius Cerelius par hasard? Ce vieux fou m'a encore pris ma pioche. Vous n'auriez pas vu Crécius Cerelius par hasard? Ce vieux fou m'a encore pris ma pioche. Attention, c'est pas n'importe quelle pioche. Je parle d'une pioche nordique antique. Ce n'est pas monnaie courante, vous savez. Je préfère régler ce genre d'affaires moi-même. Écoutez, si vous voyez Crécius, dites-lui de me rendre la pioche et je vous dédommagerai pour la peine. Dites à Crécius qu'il ferait mieux de me rendre cette pioche, sinon ça va barder. Encore là. Bon sang, vieille pie, je t'ai dit de me laisser tranquille. Crécius, la dernière fois que tu as exploré la mine, tu as failli tomber dans un puits. Je ne veux pas devenir veuve. Et je te dis que je ferai tout ce que je peux pour retrouver la dépouille de mon arrière-grand-père. Il est ici, je le sens. Ça remonte à près de 2 siècles. Il ne reste peut-être plus rien. Encore là. Fiche-moi la paix à la fin. Crécius, tu n'es qu'une vieille tête de mule et tu vas finir par te tuer. Encore là. Pardonnez, Crécius, il a tendance à radoter. Vous êtes qui, vous? Vous ne voyez pas que je suis occupé? Pourquoi devrais-je vous le dire? Je ne sais même pas qui vous êtes. La
La plupart des gens du coin seraient d'accord avec vous. Mais croyez-moi, ces mines renferment un secret qui pourrait rendre à Corberock sa gloire d'antan. Un secret que la Compagnie de l'Empire Oriental a enfoui il y a 2 siècles. Il a causé la mort de mon arrière-grand-père et laissé Corberock avec une mine inexploitable et souillée. Gracian Cerellius. Il a passé sa vie entière à explorer les ruines de Tamriel avant de mourir dans cette mine il y a presque 200 ans. D'après la Compagnie de l'Empire Oriental, c'était un tragique accident. Ils prétendent qu'il a été tué par un éboulement, mais je sais que c'est faux. En rangeant ma maison avec ma femme, j'ai trouvé des affaires appartenant à mon arrière-grand-père dans un vieux coffre. Parmi ces affaires, il y avait une lettre destinée à la Compagnie de l'Empire Oriental, ainsi qu'une clé. Elle parlait de quelque chose que les mineurs avaient découvert. Il voulait que Gracian aille y jeter un coup d'œil. La Compagnie de l'Empire Oriental devait penser que c'était important, car ils enfermaient cette section de la mine par la suite. Oui, enfin, je suppose. Je n'ai pas encore trouvé l'entrée. Enfin, enfin quelqu'un qui me croit. Croyez-moi, il y a quelque chose d'important là-bas. Quelque chose que la Compagnie de l'Empire Oriental tenait à cacher à tout le monde. Écoutez, ma femme n'arrête pas de me dire que je suis trop vieux pour explorer la mine. Le temps joue contre moi. Il m'a rattrapé avant que je puisse trouver les réponses que je cherche. En effet... Je veux savoir ce qui est arrivé à Gracian et ce que la Compagnie de l'Empire Oriental nous cache. Gracian tenait un journal dans lequel il parlait de ses découvertes. Si vous pouviez trouver sa dépouille, ce serait un bon début. Voilà tout ce que j'ai, la lettre et la clé. Faites ça pour moi, je vous en prie, que je puisse enfin regagner le respect que j'ai perdu. Cet imbécile ne la mérite même pas. Cette pioche est faite pour extraire du minerai, pas pour être vendue. De toute façon, je parie qu'il l'a volée au Skull. Bon, d'accord. Tenez. Dites-lui que j'espère qu'il se la fera tomber sur le pied. Elle croit que la vieillesse m'a embrouillé le cerveau, que je m'imagine des choses. Je sais qu'elle s'inquiète pour moi, mais il faut qu'elle comprenne que je tiens absolument à découvrir ce qui est arrivé à Gracian. Eh bien, j'admettrai mes torts et je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette mine. J'attends ce moment depuis si longtemps, bien avant de découvrir les lettres de Gracian. J'espère simplement que vous ne prenez pas mon enthousiasme pour de la sénilité. Prenez garde dans la mine, elle peut être dangereuse. Encore. Là, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous encouragez Crécius. Que voulez-vous, Tan ? Ils servent le meilleur... Vous avez trouvé...
Je m'appelle Glover Mallory. Si vous cherchez un forgeron, alors vous avez retrouvé le vieux Crécius, hein? Sacré personnage, celui-là, non? Écoutez, puisque vous vous êtes donné la peine de la retrouver pour moi, vous pouvez la garder. Je voulais simplement montrer à ce vieux fou qu'il n'a pas le droit de prendre les affaires des autres. Vous lui avez fait passer le message, et c'est tout ce qui compte pour moi. En plus, cette pioche ne m'a pas servi à grand-chose depuis des années. Elle vous sera peut-être plus utile. Amenez-moi vos armes et vos armures. Je les réparerai. C'est toujours un plaisir de trouver un homme tel que vous dans les parages. On a tôt fait de s'ennuyer sur cette île loin de tout. Nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il ?